Le traitement et donc le diagnostic précoce qui permet le traitement, ça n'est pas seulement les médicaments, c'est aussi une filière de prise en charge avec de l'éducation thérapeutique, ce que l'on appelle le plan de soins personnalisé, puisqu'il faut s'adapter à chacun, évidemment, hein, tout le monde est différent, à la fois dans la maladie, dans l'expression de sa maladie, mais aussi différent par plein d'autres facteurs, socio-économiques, psychologiques, etc. Donc ça, tout ça, il faut savoir le prendre en compte. Et l'OPEPS a indiqué que tout retard ou défaut de diagnostic peut être considéré comme une perte de chance pour les malades.